Le 23e salon qui lui est consacré s'ouvre à Angoulême. Parlons donc un peu de la bande dessinée, bien que nous le fassions ici même tout au long de l'année. L'éditeur belge Champaka publie un bel ouvrage d'hommage à Yves Chaland, ce dessinateur très doué, tué dans un accident de voiture à 33 ans en 1990. Ses amis rappellent ce que fut sa vie, son œuvre surtout, mais son visage demeure absent. Il était né à Lyon en 1957, avait étudié aux Beaux-Arts de Saint-Étienne où il avait lancé un fanzine, l'Unité de Valeur. À Paris, il fait partie de la glorieuse équipée de Métal Hurlant avant que de se lancer dans la publication d'albums dont le style est celui de la fameuse Ligne Claire, née en Belgique. François Rivière peut alors remarquer que par ses sujets, par son dessin, Chaland est devenu presque belge. De fait, on n'a pas fini de mesurer l'influence d'Hergé dans la production de bandes dessinées. Le héros de Chaland, Freddy Lombard, ressemble fort à certains reporters flanqués d'un petit chien blanc. Mais il excelle aussi dans le rétro. Regardez sa couverture de Paris Match, sa station-service avec DS19, Dauphine ou 203, ou encore ce salon de l'auto 1955. Le temps de Chaland, désormais, c'est le passé.